Bonjour, c'est Ken. Alors, je me présente vite fait, je suis coach sportif et préparateur physique. Sur ma chaîne, je cherche à montrer comment on peut développer ses qualités physiques et athlétiques depuis chez soi. Et pour ça, avec des accessoires qui sont faciles à avoir chez soi, c'est-à-dire soit si on a un peu de budget, un rack à squat, banc et haltère, soit avec des sangles de suspension et les élastiques. Sur ma chaîne, je mets surtout en avant les sangles de suspension et les élastiques, ce sont de petits accessoires qui sont vraiment très efficaces. Et j'ai décidé de faire une série de vidéos sur les groupes musculaires, donc des séances complètes. Donc là aujourd'hui c'est sur les cuisses, une séance complète avec élastique. Je vais vous montrer qu'avec l'élastique on peut vraiment avoir du résultat. En première vidéo, j'ai choisi les cuisses, parce que les cuisses c'est le groupe musculaire le plus dur à intensifier avec élastique, parce qu'on est habitué à lever lourd, par exemple pour les squats. Une personne qui est habituée à lever lourd en squat, de mettre 150 kg, va avoir du mal à trouver son équivalent aux élastiques. Alors, avec les élastiques, on ne va pas pouvoir travailler aussi lourd, on va pouvoir travailler une intensité différente et un impact sur le muscle qui sera différent et qui sera aussi efficace. En fait, en gros, je vais travailler sur un tempo et sur une durée d'un exercice pour faire durer le plaisir, sur l'impact de la masse musculaire pour vraiment faire hypertrophier le muscle. D'accord? Donc là, ici, c'est pour hypertrophier le muscle. On va chercher à hypertrophier les cuisses, pour prendre en masse musculaire sur les cuisses. Ok? On est parti, donc je vous invite à faire la séance avec moi. Faites la séance avec moi. Prenez vos élastiques, voilà, j'ai mon pack élastique. On va commencer avec une résistance moyenne. Vous voyez, dans tous vos élastiques, on n'a pas tous les mêmes marques. Donc, je fais exprès volontairement de ne pas donner les chiffres sur mes élastiques. On s'en fiche un peu ça. On va chercher une résistance moyenne. Vous avez une résistance faible, un petit peu plus faible, une moyenne, un peu plus dure, une très forte. On va prendre une moyenne qui ne soit pas trop dure, ok? On va d'abord s'échauffer sans rien. On va commencer avec du squat, ok? On va commencer avec du squat. Donc, on va venir pied largeur bassin, le poids toujours ancré sur les talons. Et on va descendre les fesses en arrière, on pousse les fesses en arrière, on descend le poids sur les talons, on fléchit les jambes et on remonte. Ok? Les genoux qui avancent, on s'en fiche, d'accord? Ça dépend de la longueur des fémurs. Les genoux, c'est même mieux s'ils avancent un peu. Ce qui est important, c'est que les talons restent au sol. Donc, je descends, je pousse les fesses en arrière, je cherche à garder le dos cambré, je descends doucement, hop. J'écarte bien les genoux bien dans l'axe des pieds, je remonte en poussant sur les talons. Ok, on reprend doucement, je descends, je remonte. Ok, je fais avec vous, je descends, je remonte. Trouvez l'écartement de jambes qui vous correspond. D'accord? Moi, l'écartement des jambes qui me correspond, c'est celui-ci. Il y en a peut-être que c'est les pieds un peu plus ouverts. Alors, il ne faut pas que les pieds soient à l'intérieur. Ok? On descend, on remonte. Allez, on reprend en bas, en haut. Voilà, tranquillement. Ok, on va rester en bas, on va bloquer un petit peu en bas ici, je vais avancer un petit peu les genoux pour mobiliser un petit peu les chevilles, tranquillement, sans que les talons décollent. Ok, et là je vais faire monter un tout petit peu, je monte, sans tendre les jambes, je redescends. On va faire des tout petits mouvements pour commencer à travailler un peu plus les cuisses, lubrifier les genoux, des petits mouvements, ça va chauffer un peu, ça va monter un peu le cœur. Voilà. Ok, on monte. On va lever les genoux tranquillement ici. On va dévorer. Là, l'idée, c'est dévorer le bassin, dévorer les genoux, préparer les cuisses à l'effort, préparer le cerveau pour la coordination du mouvement. Là, on va prendre un élastique moyen. Ok. Alors, moyen ou semi-faible, ne prenez pas le plus faible, parce que le plus faible, il n'y a aucune résistance. D'accord? Moi, je vois le mien, il est trop faible, il n'y aura rien du tout. Vous trouvez un truc qui vous amène une petite difficulté, d'accord? Petite. Les pieds écartés sur les élastiques, je descends en squat, j'installe les élastiques derrière, vraiment sur le haut du bras, pour pas qu'ils glissent en avant, donc au niveau des épaules. Voilà, les coudes bien ouverts, je remonte doucement. D'accord? Faites attention de garder toujours les coudes ouverts, d'accord? Ici, je suis même tranquille, là, derrière les épaules, pour être assez tranquille, pour ne pas forcer sur les bras. C'est juste pour rajouter une tension, donc je tiens juste les élastiques, les coudes en hauteur ou ouverts, mais pas, faites attention de ne pas vous enrouler vers l'avant, pas que les élastiques glissent. Je bloque bien les élastiques derrière, ok? Comme un sac à dos, en fait. Et je descends doucement. Je descends et je remonte. Okay. Moi j'aime bien garder les coudes ouverts, je suis à l'aise, je descends, je remonte tranquillement.
essayez de ne pas vous écraser à la descente, contrôlez la descente, je suis bien le poids sur les talons, je rentre le ventre, je remonte. Mon gainage est solide. D'accord? Je descends, je rentre le ventre, les genoux ouverts, je remonte. Vous avez vu, à chaque fois, je fais un petit temps mort en bas pour augmenter la tension musculaire et pour m'assurer d'avoir une bonne posture. Je descends doucement, je bloque et je remonte. D'accord? Voilà, un peu plus vite. 3 comme ça, je descends, je bloque, je pousse. 2 comme ça, je descends, je bloque. Et un dernier. Ok. Je vais garder les élastiques. Je vais sortir un pied. On va partir en fente. Ici. Je descends doucement. Hop. Et je remonte. Posez le genou au sol si vous avez un coussin pour poser son genou. Sinon, vous descendez le genou au ras du sol. D'accord? Je descends doucement. Et je remonte. Bien. Ok. Donc le poids toujours sur le talon, la jambe avant. J'ai bien le poids sur le talon. Je descends. Et je monte. Je suis toujours droit. Je ne m'abâchis pas en avant. Je reste droit. Je reste fort. Ok. Je reviens. Je mets le pied sur l'élastique, je change de jambe, donc doucement je descends, j'ai toujours le poids bien sur le talon de la jambe avant. Voyez l'arrière de mon pied, regardez, faites une pause, regardez ma jambe arrière, mon pied est bien dans l'axe, mon talon est dans l'axe. Je ne pars pas sur le côté comme ça, des fois je vois ça, c'est très mauvais sur les genoux, je suis vraiment dans l'axe, tout est aligné, mon pied est dans le même axe que mon tibia, que mon genou, tout est dans le même angle, ok? On est reparti, donc en forme ici en bas, je pousse bien sur ma jambe avant. Ici, voilà, je descends, je gagne bien, je souffle à la montée, vous devez commencer à avoir déjà chaud, ok, ok, on va pas mettre trop dur, ici, alors, je vais rajouter une tension, donc là je mets une tension forte, donc, vous allez trouver, c'est à vous de trouver le niveau. Donc là, si c'est votre première fois que vous faites, vous allez devoir réajuster certainement au fur et à mesure des tours, ou à chaque séance. L'idée, c'est de faire 4 tours. Il faut que les 4 tours soient très durs et que le 4e tour, même, vous soyez obligé de diminuer l'intensité sur les élastiques. Alors là, j'ai mis plus lourd, j'ai mis 2 élastiques plus lourds. On va refaire un test, on est toujours dans l'échauffement. L'échauffement concret pour voir si on a trouvé la bonne résistance, d'accord? Si vous trouvez que l'exercice là est un peu dur, ça commence à chauffer les cuisses, on est bon. Parce qu'il reste un exercice encore que je ne vais pas montrer, on va le voir après. Donc on va revenir. Les pieds sur les élastiques, on va partir en squat, je vais augmenter la tension, je descends, hop, je bloque et je boucle. Et on va partir pour 10. Allez, je bloque, 1, descends, je bloque. 2, je fais une petite seconde juste pour m'assurer qu'il n'y a pas un écroulement sur le bassin. 3, je ne m'abâchis pas. 4, je gagne bien. 5, 6, je souffle à la montée. 7, 8, 9 et 10. On va partir pour 6 fentes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On change de jambe. 1, 2, on se revient à descendre toujours. 3, 4, 5. Et 6. Ok. Les élastiques. Vous avez une encre de porte, on va la mettre au milieu de la porte. Je vais essayer de mettre au milieu de la porte. L'installer. On ferme au milieu de la porte. On met ça dans la charnière. Une fois que c'est installé, on va mettre ces élastiques à l'intérieur. Ici. Là. Ok. Donc, une fois que vous êtes installé, voilà, j'ai mis ma même résistance ici. Je prends les élastiques. Là, devant. Donc, je ne force pas sur les bras. Je ne cherche pas à tétaniser les bras. Je ne suis pas crispé. Je les pose ici. Je les colle à moi.
Là, ici, contre les bras. Et là, on va faire des fentes en avançant. C'est-à-dire, là, ma jambe droite est derrière. Vous voyez, ma jambe droite, je vous montre avant. Regardez juste. Ma jambe droite est derrière. Ma jambe gauche, bien devant, le pied à plat au sol. Je remonte, je m'aligne. Le corps gainé, je suis droit. Je suis un petit peu penché en avant, mais je suis droit. Je suis pas, alors je vous montre tout de suite, il ne faut pas faire ça. Là, je suis là, je suis pas stable, je suis juste écrasé sur les élastiques. Là, ici, là, il faut que je gagne, sinon je bascule en arrière. D'accord ? Ici, je vous montre avant. Ici, ma jambe gauche derrière, je descends le genou au sol, je monte de façon puissante, je stabilise, je serre le ventre, je change de jambe. Ici, jambe droite derrière, je monte. Jambe gauche derrière, et je monte. Ok ? On essaye ensemble. Trouvez juste au milieu, n'allez pas trop loin. De toute façon, mettez pas en danger ce élastique. Allez trop loin, vous risquez que ça casse. Trouvez juste au milieu. Ici, donc on va mettre la jambe droite derrière. Je fléchis la jambe, le poids bien sur le talon de la jambe gauche. Et je monte. Jambe gauche derrière, je descends. Poids sur le talon de la jambe droite. Je monte. Et je reprends. D'accord, je suis fort sur les cuisses, je ne suis pas en train de basculer en avant, je me penche en avant, je suis droit. Si je ne gagne pas, je pars en arrière. D'accord ? Vous ne devez pas avoir mal au dos. Si vous avez mal au dos, c'est que vous ne rentrez pas le ventre au haut du mouvement. Ok ? Et là, on fait encore 4. Encore 3. Encore 2. Et un dernier. Ok, on va finir l'exercice. On va voir un coup. Et on va attaquer. Ok ? Un coup avec vous. Donc là, on va essayer 4 tours. D'accord ? On va faire 4 tours. À chaque fois qu'on aura fini un tour, je vais mettre une minute de pause. L'idée, c'est que vous ne récupérez pas totalement au tour d'après. D'accord ? Deuxième tour va être plus dur, troisième tour encore plus dur, et quatrième tour encore plus dur. Ce qui va se passer, c'est soit vous faites plus de pauses, soit vous enlevez un élastique. Donc si vous enlevez un élastique, n'enlevez pas l'élastique le plus fort. Parce que sinon la différence va être énorme. D'accord ? C'est comme si en termes de poids, vous montez, vous avez mis un poids de 20, un poids de 10 sur une barre par exemple. Donc ça fait 30 kg, 60 kg. On va dire d'avoir fait 20. C'est juste pour comprendre. Vous avez 80 kg et vous enlevez les poids de 20. De 80, vous passez à 40. Non, trop, c'est trop bas. D'accord ? Si c'est trop dur, vous enlevez l'élastique moyennement dur, d'accord. Si vous en avez 3, vous enlevez les plus faibles, quitte à enlever un corps de plus en plus de faibles. Ok. De toute façon, là, c'est la première séance, c'est un peu une séance d'essai. Ok, vous devrez réajuster au fur et à mesure des tours et des séances. Ok, on est parti. Donc, on va commencer avec les squats. On s'installe sur les élastiques. Ok. On descend. On s'installe, on sort la poitrine, poids sur les talons, on remonte doucement. Ok ? On est parti, on descend doucement, on remonte. On descend. Allez, deux, encore. Puis comme ça. Trois. Quatre. Ouais, je ne fais pas trop vite. Cinq. Six. 7, encore 3, 8, 9, là, 10, on pose une jambe derrière et on enchaîne pour 10, 1, 2, 3, 4, 5, encore 5, après on repartira un petit peu sur les squats, 6, 7, 8, 9, 10, on squat, 5 squats, 1, 2, 3, 4, 5, on change de jambe, les fentes, c'est parti, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
chauffe là. 8, 9, restez bien droit. 10, plus 8. On met les élastiques dans la porte. Plus rapidement possible. On les installe bien. Hop. On prend l'élastique. On part pour 12 fentes. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. Voilà, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Faites attention au genou bien dans l'axe du pied. 6, poids sur le talon. 7, on se redresse bien hors du mouvement. 8, 9 et 10. Non, j'ai dit 12. 11 et 12. Allez, deux plus. Ça joue. Une minute de pause. Prends qu'une minute. Et on repart. J'enlève déjà mes élastiques. Je me prépare pour attaquer sur les squats. La première série, déjà, vous avez dû sentir, ça chauffe. Du coup, c'est de pire en pire. Ne négligez jamais la posture, ok? Concentrez toujours sur la posture et concentrez-vous sur le groupe musculaire que vous ciblez. Ici, on est sur les cuisses. Donc ici, il faut vraiment vous concentrer sur les cuisses pour augmenter la tension sur les cuisses, d'accord? Quand vous le faites, les squats par exemple, faites pas juste, je descends, je remonte. Concentrez-vous sur la contraction musculaire des cuisses. Corps droit, poitrine sortie, je descends les genoux ouverts, je contracte bien les cuisses, je remonte en contractant bien les cuisses. On va repartir. Une minute. On est reparti sur les squats. On ouvre les jambes. Hop. On descend. On remonte. Okay. C'est parti pour 10. 1. 2. Soufflez bien la montée. 3. Si c'est trop dur, mettez moins d'élastique ou faites une pause. 5. Si c'est trop dur là, plutôt prendre le dernier élastique. 6. 7. Ou enlevez même les élastiques, vous ne faites sans rien. 8. 9. 10. Alors, on va faire des fentes. Par contre, changez de jambe par rapport à tout à l'heure. Si vous avez mis la jambe droite tout début derrière, mettez la jambe gauche derrière, on alterne. C'est parti. 10. 1. 2, 3, 4, 5, 6, regardez toujours devant vous au sol, 7, 8, 9, 10, on part sur les squats, sur 5, 5, 4, 3, 2, 1, allez, fente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dedans. Allez, fente. 12, c'est parce que je ne me trompe pas. Allez, c'est parti. 1, 2, toujours attention, poids sur le talon, la jambe avant. 3, 4, les pieds toujours bien alignés avec les genoux. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 11 et 12. Allez, 8.
Mais les cuisses, c'est dur. Ouais, les cuisses en plus, c'est beaucoup faible. Donc si vous ne sentez pas les cuisses, mettez plus d'intensité dans les assis, mettez plus de résistance, ou freinez plus la descente. D'accord ? Contrôlez plus les mouvements de descente, faites des mouvements plus lentement. Ça essouffle en plus, 30 secondes. Et dans 20 secondes, on repart. Je prépare mes plastiques. Je les installe. Et deux tours. Donc là, forcément, c'est dur. Pour moi aussi, c'est dur. J'aime pas les cuisses en plus. Comme tout le monde en général, comme beaucoup. Ok. Allez, c'est reparti. Pour les squats, on s'accroche. Hop. Allez, parti pour 10. Allez. Ah. 2, 4, 5, lâchez pas la posture par contre, 6, le genou bien ouvert, les deux genoux ouverts, 7, 8, on écrase bien les talons au sol, 9, 10, donc une jambe derrière, par exemple la jambe droite, et 10 fentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous devez sentir beaucoup les ischios jambiers, les fesses, 7, 8, 9, 10, allez, 5 squats, 1, 2, 3, 4, 5, allez, fonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 3, 8, 9, 10. On lâche le dos. On est fort, on se redresse, 4, rentre le ventre, 5, tout par les cuisses, pas du bassin, 6, 7, 8, 9, 10, pour 2, 11, 12, logiquement être dans le même état que moi, peu importe le niveau que vous avez, débutant, confirmé, tout va dépendre de comment vous concentrez sur l'exercice, vous devez être dans le même état que moi. Allez. Dernier tour, j'enlève mon moyen, dernier dur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas juste faire le mouvement, il faut être concentré sur ce que vous faites. Ça change tout. Juste faire le mouvement peut mettre beaucoup plus dur. Juste descendre, monter. Vous vous concentrez sur la posture, l'écartement des genoux, la contraction sur les cuisses. Tout de suite, c'est beaucoup plus dur. Et dernier tour, une dernière série. Ok, on est prêt. Allez, c'est parti. Ici, allez, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allez, fente. On change de jambe, jambe gauche derrière. 1, 2, 3.
3. Lâchez les élastiques, c'est trop dur. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 5 squats. 1. Je quand même bouge un peu plus. 2. 3. 4. 5. J'en droite derrière. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et dernière. 10. Les fentes pour finir. Allez, c'est parti pour 12. 1, 2, 3. Ce qui est dur là, c'est rester concentré. On a tendance à bâcler. 5. Pousse fort sur le talon. 6. 7. 8. 9. 10. On relâche. Et là, petite pause. On récupère. On boit un coup avant d'attaquer. Soit d'arrêter là, soit d'arrêter là, on ne pouvait plus, on reste là, soit moi j'attaque ensuite sur les épaules. D'accord, je prends une pause, 2, 3, 4, 5 minutes, pas grave, et on attaque après sur les épaules. Ok. Donc, la semaine prochaine, je vous mettrai la séance épaules. Moi j'aime bien travailler comme ça, on voit le body, jambes, épaules, pec, dos, bras. Et le gainage, je vais faire une séance de gainage, soit je la mets entre les séances, soit je la mets à la suite de ma séance jambes épaules, à la suite de mes séances pec-dos bras, je la coupe en deux, moitié-moitié, voilà, peu importe. De toute façon, les séances, c'est toujours un peu de gainage. Donc là, si vous arrêtez ici, on fait un petit stretching très rapide, il faut que ce soit très souple, ok? Je vais finir sur un support, mais pas stretching lourd, stretching long, on tient longtemps la posture après un entraînement, parce que c'est là que vous risquez de vous blesser. L'idée là, c'est juste récupérer son muscle dans sa pleine amplitude. Donc c'est très court. Ici, je me tiens, je prends mon pied, le genou collé, je m'agrandis, j'étire un peu le quadriceps, je maintiens. 4, 5 secondes, je change de jambe. Par le côté, je m'agrandis bien, je relâche. Pareil pour les ischio, j'ai entendu. Je descends doucement, j'étire doucement, je force pas, les jambes tendues, je tends même les jambes, je contracte les cuisses. 3, 2, 1, je remonte doucement. Voilà, c'est bon pour, aujourd'hui, pour la séance cuisse. Soit vous additionnez avec la séance épaule qui sera la semaine prochaine, soit vous faites une pause ici, vous prenez la séance épaule dans 2 heures, d'accord? L'idéal, c'est faire le groupe musculaire 2 fois dans la semaine. C'est pour ça que moi, je préfère la séance all body ou full body pour faire des rappels. Donc, je vous conseille soit faire cuisse et épaule cet après-midi, soit faire lundi aujourd'hui cuisse, mardi par exemple épaule, mercredi haut du corps, avec un peu de gainage que vous avez encore pour eux comme ça, puis vous repartez. D'accord? Ça, c'est dur à mettre en place. Mais vous voyez, moi, je préfère faire jambes, épaule, pec, dos, bras, gainage, jambes, épaules, pec, dos, bras. Ou alors je fais du full body. D'accord? Il y a un peu de tout. Ok? On reste une grosse séance pour du full body. C'est bon pour aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite sur les épaules. Allez, ciao!